Régis Maillot, vous qui êtes un garçon plein de compassion et de bienveillance, vous avez décidé de nous parler de Noël. Oui, vous m'avez cerné, hein, compassion. Oui, j'ai décidé de vous parler d'amour, les amis, retrouvailles, famille, puisque c'est dans une semaine exactement, c'est le réveillon de Noël. Arrête cette merde immédiatement. J'ai horreur de Noël. Je vous propose un petit tuto Covid à l'attention de, je cite le conseil scientifique, de toutes ces raclures de Français irresponsables, individualistes et génocidaires qui ont décidé de passer Noël en famille. Merci pour nous, le conseil scientifique. Alors, comment respecter la consigne du 6 à table ? Plusieurs techniques sont possibles. La technique dit du plus offrant, hein. La puissance invitante met aux enchères 6 sièges. Alors je ne vous cache pas que cette année, au réveillon, le carré or va être hors de prix. Le fauteuil à côté du sapin avec le petit sur les genoux, il va lui coûter son plan épargne retraite à mamie gâteau. Alors à ce titre, je m'adresse aux grands-parents qui nous écoutent. Si vous voulez avoir la chance de voir vos petits-enfants, va falloir cracher au bassinet cette année. Hein. La Smartbox, bon pour un massage bien-être de 20 minutes, va là maintenant. Imprimé en format A4 avec à la fin là, de la cartouche d'encre, vous pouvez vous la carrer dans le teneur, hein, les vieux. Cette année, sans une donation partage certifiée conforme par un notaire, vous allez passer le réveillon en tête à tête avec le concert des 1000 choristes sur France 2 et une rediff de la grande vadrouille. Alors ça, c'est la technique un peu fleur bleue, petite variante, la technique de l'ouverture. Alors notre président l'a dit, il faut se réinventer. Faites comme moi, tentez la diversification pour optimiser mes 6 places. J'ai ouvert le casting à d'autres familles. C'est malin. J'ai passé une annonce sur Gens de Confiance, un réseau social de bourgeois, avec la photo du petit qui sourit en gilet Cyrillus, ré sur le côté. Regardez comme il est beau, il ferait bander un curé castré. J'ai explosé le compteur dans les EHPAD de Rambouillet. Le petit blondinet en jacadis, c'est mieux que du crowdfunding. J'ai 2 veuves du 78 qui m'ont versé de quoi financer l'ouverture d'un orphelinat en Inde, juste pour espérer tâter l'ajout de marmots un 24 décembre. Alors, pour ceux qui hésitent encore sur le plan de table, vous pouvez opter pour l'option ludique, la technique Koh-Lanta. Vous organisez des épreuves entre différents membres de votre famille. C'est toujours rigolo d'observer la dextérité d'une belle-sœur désespérée fabriquer un lance-pierre avec son soutif dans l'espoir de partager un morceau de bûche avec son petit-neveu. Afin de ne pas pénaliser les familles nombreuses, moi je propose une mesure de fair play qu'on appelle dans le sport le coaching. C'est-à-dire on procède à un remplacement régulier des joueurs afin de faire tourner l'effectif et que tout le monde puisse bénéficier d'un peu de temps de jeu. Je vous donne un exemple concret. Mamie joue la première mi-temps. Foie gras, 8 coupes de soupe de butternut, enfin tout ce qui ne nécessite pas une utilisation délirante des dents. Et ensuite, dès l'arrivée des plats de résistance, gibier, gigot, volaille desséchée, on fait rentrer les viandards, le bof, le tonton, et Jean-Mathéo, l'ado pas fini, en pleine crise de croissance, qui attend dehors en survêtement dans le froid. Voilà, alors une fois que vos 6 convives ont été désignés, la question se pose. Comment organiser l'accueil des convives dans le souci du Covid ensemble? Eh bien, c'est très simple, les amis. Avant que la personne pénètre votre domicile, mette en danger votre zone de préservation sanitaire, prévoyez un dispositif hygiénique adéquat. Tout le monde à poil. Un petit coup de Karcher à l'éosine. Gel hydroalcoolique sur toutes les extrémités et les parties humides. Attention, cela peut irriter les muqueuses. Passez les enfants au badigeon et les vieux au vermifuge. Changez le bâton entre 2 utilisations. Un examen prostatique s'impose. Je vous l'accorde, on ne dispose pas d'études scientifiques, mais le principe de précaution est de mise. Et puis, j'ai envie de dire, c'est Noël, on peut bien faire un peu plaisir à ceux qu'on aime. Alors, une fois que ces mesurettes de prudence appliquées, vous pourrez profiter pleinement d'un bon réveillon sain et en toute liberté. Ouais, merci. Alors, petite précision, le comité de salut public, le conseil scientifique, je les confonds, stipule que les festivités devront cesser à 20h. Le couvre-feu devra être respecté, y compris au sein de la cellule familiale. Et oui. En 2020, dans les familles françaises, le mot cellule n'aura jamais aussi bien porté son nom.